Hvala Jezus in Marija, drage gledalke in gledalci televizije Exodus. Danes imamo čast gostiti Aleksandra Gudarzija, namestnika direktorja operacij pri organizaciji SOS Chrétien d'Orient, SOS Kristjani v Bližnjem shodu, in nekdanjega vodjo misije v Siriji. Aleksander je tudi avtor knjige Guerrier de la paix, bojevnik miru, v kateri deli svoje ganljivo pričevanje o izkušnjah na vojnih območjih, predvsem pa o svojih ujetništvu v Iraku. 5 let od leta 2015 do 2020 je Aleksander deloval v Siriji, sredi državljanske vojne, kjer je prinašal pomoč kristjanom in lokalnemu prebivalstvu, prizadetemu zaradi uničujočega konflikta. Danes nam bo spregovoril o svoji zavezanosti kristjanom na vzhodu, o trenutnem stanju v Siriji in o negotovi prihodnosti krščanske skupnosti v tej regiji, ki jo pretresajo vojne in delitve. Dober dan, gospod Aleksander Gudarzi. Bonjour, monsieur. Alors, pour commencer cet entretien, je souhaiterais que vous nous parliez un petit peu de votre enfance et comment est-ce que vous êtes arrivé à cette conversion dans la religion catholique. Alors, moi, j'ai jamais été vraiment autre chose que catholique, mais on va dire que comme j'ai deux parents de deux origines différentes, ma mère est française, française catholique, de culture surtout, avant d'être réellement, comment dire, un peu plus fervente. Et mon père, lui, est iranien chiite, donc c'est un musulman chiite. Il est arrivé en France après la révolution islamique, mais c'est pas la révolution islamique qui l'a fui, puisqu'il y a participé. En revanche, il a fui la guerre Iran-Irak, il est arrivé en France comme réfugié. Et mon père a un parcours un peu particulier parce que, pour le dire clairement et sans calomnier mon père, parce que c'est mon père et je l'aime, mais pour être tout à fait honnête, voilà, mon père c'était un bandit, c'était pas quelqu'un de, comment dire, forcément de recommandable, on va dire, même pour la société française, mais bon, il était ce qu'il était, et en gros, moi j'ai grandi beaucoup sans père, j'ai eu une sœur, hein, mais mon père a un petit peu disparu quand j'avais à peu près entre 5 et 9 ans. Il a disparu totalement entre mes 9 et mes 15 ans. Et donc, il était souvent en prison. Ma mère était fortement battue. J'ai failli la perdre quand j'étais petit, quand j'avais 5 ans, à cause des traitements de mon papa. Et en gros, voilà, moi, j'étais dans cette double culture, mais mon père n'a jamais été musulman, en fait. Mais en grandissant, et l'absence du père a fait que j'ai énormément cherché mes origines du côté de mon père, en fait. Donc, je me suis très, très largement documenté sur l'origine des Iraniens, des Perses, et également, comment dire, au niveau de l'islam. Et comme j'ai grandi en banlieue toute ma vie, j'ai grandi, en fait, avec des gens d'origine nord-africaine, turque, kurde, etc., et j'ai été très sensible à l'islam et j'étais très proche de m'y convertir. Voilà. Donc, quand je parle de conversion au christianisme, au catholicisme, c'est parce que j'ai jamais été autre chose que chrétien, mais il y a un moment donné, il y a eu une rencontre personnelle avec le Christ et j'ai choisi Jésus. Je n'ai pas choisi autre chose et j'ai définitivement, en fait, coupé avec l'islam et les croyances qu'il y a autour. Donc c'était un vrai choix personnel, une vraie rencontre avec le Seigneur, et ça s'est fait à l'époque où ma mère, elle, comme je vous ai dit, qui était chrétienne de culture, mais pas forcément fervente, pas plus que ça, elle était chrétienne d'identité en fait, et puis c'est tout. Mais quand elle a commencé à cheminer vers la foi, elle m'a fait part en fait de cette rencontre qu'elle avait faite dans un couvent de notre ville, où il y a eu deux franciscains qui venaient d'arriver, un italien et un français. Et j'avais pas vraiment envie de les rencontrer, j'étais fâché avec Dieu, je n'avais pas envie d'espérer, je n'avais pas envie de croire que, je n'avais pas envie de croire que les choses pouvaient changer. J'étais complètement habité, en fait, par une forme de désespoir, de fatalisme, je souffrais beaucoup, j'étais très violent, j'avais un mode de vie assez particulier. Voilà, la rue, mon quartier, les fréquentations qui allaient avec, la drogue, les bagarres, les gardes à vue, les histoires, les tribunaux, les délits, toutes ces choses-là. Et en fait,
Croire en Dieu pour moi, ou penser que Dieu pouvait m'aimer, déjà, ça me faisait rire. J'avais pas l'impression que Dieu pouvait aimer un type comme moi. Et puis, parcours de ma vie, en fait, me montrait, ou me convainquait, en fait, que Dieu n'était pas là, en fait. Comment il pouvait m'aimer s'il avait jamais été là, pour moi? Et j'avais pas envie de souffrir, de croire que ça pouvait être mieux. Je m'étais fait une idée, c'était ma vie, et ça changerait pas. Et j'avais une espèce de phrase qui revenait en boucle dans mon esprit, c'était mieux vaut régner en enfer que d'être esclave au paradis. Donc mon enfer à moi, je l'avais domestiqué, enfin, je pensais l'avoir domestiqué, et j'étais persuadé qu'il n'y aurait pas autre chose, que c'était comme ça, et je m'étais fait une raison en fait. Et donc je devais avoir ma place dans cet enfer-là, et être un bonhomme en fait, être un homme, et assumer tout ça. Donc il n'y avait pas de temps de repentir, de conversion, de confession, de pleurniche, en fait. Je devais assumer mon rôle, ma place, et puis c'était ça, en fait, mon défi, mes défis, mes challenges, en fait, mes défis, mes objectifs, ouais, les défis à relever dans mon quotidien. Et quand j'ai rencontré ces prêtres-là, donc il y avait cet Italien et il y avait ce Français, il avait, avant d'être prêtre, il avait braqué trois banques, ou trois, quatre banques. C'était quelqu'un qui était originaire de la région lyonnaise. Et forcément, ça m'intriguait. Je me dis, c'est quoi ce délire un prêtre en robe, avec la corde autour des reins, et qui prêche l'amour de Dieu, et le mec, il a braqué des banques, c'était un bandit. Et l'Italien, ça me charmait, parce que j'étais dans mon délire à l'époque, Robert De Niro, Al Pacino, dans mes films de gangsters, de mafia. Et voilà, il y avait la bonne combinaison des deux. Il y avait l'Italien et son charme latin, et il y avait le bandit français. Voilà, des années 70, bref, et qui s'était lui converti en Italie, qui était revenu avec l'habit. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai eu mon premier électrochoc, que j'ai eu ma première rencontre personnelle avec le Christ, et que j'ai commencé vraiment à découvrir son amour pour moi, pour nous, pour moi en tout cas en l'occurrence, dans cette rencontre personnelle. C'est comme ça que ça a commencé. Donc vous travaillez maintenant pour l'association SOS Chrétien d'Orient. Comment vous en êtes arrivé à savoir à travailler là-bas? En fait, entre ma conversion et comment dire ma reprise en main en fait de ma vie, je me suis mis à reprendre les études. Donc j'ai repassé mon bac 2 3 ans après l'avoir planté. En fait, j'avais pas eu mon bac. J'ai repassé 2 3 ans après. J'ai commencé des études. Je suis allé à l'INALCO. J'ai fait les langues zo. Donc j'ai appris l'histoire et la civilisation du monde iranien. Et le persan. C'est-à-dire qu'en fait, l'INALCO, c'est un institut où on vous enseigne l'histoire, géographie, la civilisation d'un peuple, et vous apprenez la langue du peuple en question. Donc, moi, j'ai fait ça autour du monde iranien, avec le persan. Ensuite, j'ai fait un master de géopolitique. Puis, j'ai recommencé une licence d'arabe que je n'avais pas complétée, parce qu'en fait, ça commençait à traîner en année et qu'à un moment donné, il fallait travailler. Et voilà, en fait, je sentais que dans ma vie de tous les jours, j'étais très chrétien, mais de façon identitaire. J'ai commencé à combattre tout ce pourquoi j'avais milité avant, c'est-à-dire cette espèce je sais pas comment on dit, anti-francisme. J'étais anti-français, j'avais la haine de la France, la haine de mon histoire, la haine de mon passé. J'avais en fait la position et le discours indigéniste, ce discours de l'oriental, ou le discours que les Nord-Africains, ils ont souvent, les Maghrébins, la haine de la France, la haine du blanc, la haine du christianisme, etc. J'ai commencé à vraiment lutter, en fait, fort de toutes mes connaissances que j'avais eues au Moyen-Orient, parce que depuis que j'avais 17 ans, je commençais à aller en Iran. Ensuite, j'allais au Liban, j'allais en Syrie. Donc, je voyageais, et c'est dans ce contexte-là, un peu, que j'ai repris mes études, et que j'ai repris des études en rapport à ça. Donc, j'avais la pratique, le terrain, le côté baroudeur, et j'avais la théorie, tout ce qu'on enseignait, en fait, dans ces instituts. Et j'étais très heureux en fait de toute cette connaissance, parce que j'avais une véritable je nourrissais une passion en fait pour toutes ces choses-là, et c'était dans mon rapport à ma recherche identitaire. J'avais des questions, j'avais beaucoup de réponses à des questions que je m'étais posées depuis des années en fait. Donc en fait, j'ai commencé fort de toutes ces choses-là et de ma métamorphose en fait, de mon changement aussi dans le cheminement spirituel que je vivais. Donc je vous dis, les voyages, l'université et l'église. Donc je voyageais dans ces trois dimensions, on va dire, mais j'avais toujours aussi un pied un peu dans la rue. Donc j'avais jamais vraiment coupé avec mes relations
les filles, la drogue, l'alcool, les histoires avec d'autres personnes, mes fréquentations, je fréquentais beaucoup de clandestins iraniens qui arrivaient avec leur violence de Téhéran, etc. Et donc, nos soirées parisiennes étaient très animées. Et en fait, j'avais un problème à un moment de conscience, surtout par rapport à mes rapports avec les femmes, et toutes les façons où, en fait, j'ai littéralement déplu à Dieu, en fait. Et je me souviens que j'étais torturé dans mon cœur. J'avais besoin de prendre du temps pour ne pas être chrétien juste de nom. J'avais envie d'être cohérent. Et j'ai répondu à l'appel de ce prêtre, donc ce prêtre italien qui était toujours au couvent franciscain dans ma ville à Cholet, dans le Maine-et-Loire, donc dans l'ouest français. Il faisait pour la première fois une année où on pouvait être en préparation d'un postulat. Pour ceux qui souhaitaient être prêtres, eh bien, ils pouvaient rester là un an. Alors moi, ça ne me concernait pas, mais il m'avait quand même mis à disposition cette année pour rejoindre les jeunes qui voulaient cheminer en vue d'être prêtres, ou qui se posait la question de la vocation. Et c'est comme ça que moi je suis rentré au couvent et que j'y suis resté un an. Et en sortant de cette année-là, bon, il y avait toujours des combats à l'intérieur de moi. Je dis pas que ça y est, c'était réglé. Mais j'ai tout de suite trouvé du travail comme enseignant, comme remplaçant, donc suppléant dans des lycées professionnels en histoire-géographie et aussi en français. Et j'avais également un poste de vacataire à l'Université catholique de l'Ouest, qu'on appelle plus communément la Cato d'Angers. Et je donnais des cours d'introduction à la géopolitique du Moyen-Orient à des troisième années de licence d'histoire. Et un jour, alors que j'abordais la question de la Syrie, un de mes élèves, à la fin du cours, me dit: Mais vous savez, vous connaissez, est-ce que vous connaissez ces jeunes qui sont partis célébrer la nativité avec des Syriens à Damas? Et moi, j'avais été déjà beaucoup en Syrie. Et on était déjà après le printemps arabe, en fait. On était en 2013 à cette époque-là, et la guerre avait déjà commencé en Syrie depuis 2011. Et j'étais très nostalgique, j'étais très soucieux de ce qui se passait en Syrie. J'avais peur, en fait, parce que je savais que ce que les médias nous présentaient pour une guerre pour la liberté, dégager le tyran Assad, etc., je savais que c'était on a vu ce qui s'est passé en Irak, on avait vu ce qui s'était passé en Libye, on a vu aussi, bon, l'Afghanistan, c'est un petit peu différent, mais on connaît, en fait, l'issue de ce genre comment dire, d'initiative de va-t-en-guerre avec leurs grands idéaux démocratiques, universalistes, humanistes. Et au final, c'est des sacrifices humains par centaines de milliers. Voilà, c'est tout ce qu'il y a, en fait. Et je savais que j'avais peur, en fait, pour les chrétiens, en fait, de là-bas. Je me suis dit, mais ils vont juste être massacrés par les mecs d'en face, parce qu'on sait très bien qu'en face, c'était pas la démocratie, c'était des islamistes, quel que soit le nom qu'on leur donne. Moi, j'en étais intimement convaincu, enfin, en tout cas, je le pensais fortement, et j'étais intrigué par ce que ce garçon m'avait dit, et j'ai dit: Mais mince, en fait, c'est qui ces gens-là? Qui sont ces gens qui vont en Syrie célébrer la nativité? Je les ai appelés tout de suite. Je suis rentré chez moi, j'ai passé un coup de fil, j'ai appelé SOS Chrétien d'Orient. Je suis tombé sur le directeur général, Benjamin Blanchard. Alors, à l'époque, il était lui-même un peu bénévole, il n'était pas encore directeur officiellement, enfin bref, mais en tout cas, c'était le fondateur, c'était le cofondateur avec Charles de Meyer. Et c'est comme ça, en fait, que le premier lien s'est fait. Voilà, j'ai été avec eux pour Noël 2014 en Syrie. Ensuite, j'ai été bénévole en Irak pendant 3 mois, de mars à juin 2015. Et ensuite, j'ai travaillé comme chef de mission en Syrie de 2015 à 2020. Juste avant de raconter votre vécu personnel, est-ce que vous pouvez un petit peu raconter l'histoire de ce pays, la Syrie, comment est-ce qu'elle est née, et aussi des chrétiens d'Orient, est-ce qu'ils sont venus de l'Ouest, du monde occidental, ou est-ce qu'ils étaient déjà avant? Effectivement, je sais qu'il y a un petit peu la pensée eurocentrée. Enfin, on a tendance à peut-être un petit peu trop penser que le Moyen-Orient, c'est une terre homogène où il y a essentiellement des musulmans, et que quand on pense et qu'on réalise qu'il y a des chrétiens, on aurait tendance à penser que c'est une projection européenne. On aurait envoyé là-bas des chrétiens, ou alors des chrétiens d'Occident seraient jadis partis là-bas et ils auraient essaimé. Et de cela, en fait, est née cette chrétienté orientale. C'est évidemment complètement faux. C'est l'inverse qui s'est passé. Le Christ est un oriental. Le Christ vient de Palestine. C'est de là-bas que le christianisme est parti.
Après l'envoi des apôtres au moment de la Pentecôte, quand le Seigneur rejoint les cieux après 40 jours à avoir passé avec les apôtres, après avoir été ressuscité des morts, après sa crucifixion, les apôtres partent et ils évangélisent depuis la Palestine. Comment dire, toute la région, que ce soit l'Égypte, le Sinaï, l'Égypte de manière générale, le Sinaï, la Jordanie, le Liban et la Syrie sont mentionnés ou dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau. Que ce soit par rapport à la fuite en Égypte, l'esclavage de l'Égypte, Moïse qui est mort sur le mont Nebo, les 40 ans avant cela de marche dans le désert, le mont Nebo, pardon, donc où est mort Moïse, donc en Jordanie, depuis lequel il peut voir tout Israël. Les noces de Cana, on dit qu'elles se seraient passées dans un petit village qui s'appelle Cana au sud du Liban, mais il y a débat parce que il y a d'autres villages qui s'appellent Cana et qui existent aussi en Israël. Mais Jésus se rend à plusieurs reprises dans la Bible à Tyr et à Sidon, à Sour et à Saïda, donc Tyr et Sidon. Damas, c'est la ville où saint Paul part pour massacrer les chrétiens et finalement il tombe de son cheval et il devient aveugle pendant 3 jours et il retrouve la vue à la chapelle Anani par l'évêque Anani, saint Anani, qui va le garder, qui va le protéger, etc. Enfin bref, c'est une terre biblique, c'est de là en fait que le christianisme part, d'accord? Donc il y a ensuite évidemment des petits foyers de chrétienté ici et là, il n'y a pas d'homogénéité du christianisme puisque le premier empire qui va se convertir, c'est l'empire romain. En tout cas, empire, mais avant cela, il y a déjà les Arméniens. Donc l'empire arménien, pardon, donc en 301. Plus tard, à la fin du 4e siècle, dans les années 390, enfin, à la fin des années 390, 397, si je ne me trompe pas, c'est l'empire romain. Je veux dire, la région, en fait, les Romains, comment dire, d'Orient, il y a déjà, en fait, le christianisme est déjà présent dans la région. Donc les chrétiens, en fait, ils sont là depuis toujours et ce sont des descendants de païens, c'est-à-dire qu'avant d'être eux-mêmes convertis au christianisme, ce sont des Araméens, des Assyriens. Aujourd'hui, quand on dit Assyriens, on pense à ceux qui ont été, comment dire, bloqués par le concile d'Éphèse, pardon, et qui ont été considérés comme hérétiques justement par ce concile. Et donc aujourd'hui, quand on parle d'Assyriens, on parle d'une communauté chrétienne. Mais avant d'être une communauté chrétienne, c'est un peuple, c'est un empire. L'empire assyrien, ce sont d'ailleurs ceux qui ont balayé la Samarie, et 2 siècles plus tard, c'est les Babyloniens qui viendront prendre la Judée. Donc les Assyriens sont un peuple, mais c'est un peuple païen. Il se convertit ensuite au christianisme, et l'appellation assyrienne chez les chrétiens vient de leur conversion au christianisme, et comme il est dissocié de l'orthodoxie incarnée par Byzance, on les appelle les Assyriens, parce qu'ils ont choisi le nestorianisme. D'accord? Qui considère que Jésus était quelqu'un qui était inspiré par Dieu. Il ne considère pas, il ne croit pas en l'incarnation. Bon, bref. Donc, il y a ces peuples-là. Mais il y a aussi les Araméens. Les Araméens convertis au christianisme, ça va donner ce qu'on appelle les Syriaques. Il y a évidemment des explications qui nous feraient rentrer dans plein de complexités. Il y a beaucoup d'autres peuples. Mais en tout cas, cette région-là a été très vite habitée par le christianisme. Le croissant fertile, cette région qui va de la Méditerranée, de la mer Méditerranée jusqu'au golfe Persique, toute cette zone fertile, donc comment dire, qui se délimite par les montagnes du Taurus au nord, c'est-à-dire la frontière avec la Turquie, et aux montagnes de Zagros à l'est, donc la barrière montagneuse qui sépare la Mésopotamie de l'Iran, toute cette zone-là, donc de la Méditerranée au golfe Persique, c'est le croissant fertile. Et ça, c'est le berceau des civilisations. C'est le berceau des civilisations et c'est le berceau des religions monothéistes. Judaïsme, christianisme et islam. C'est un carrefour civilisationnel entre l'Égypte, la péninsule arabique, la Perse, la Mésopotamie, et puis l'Anatolie, etc. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un croisement, un carrefour, un pont, une passerelle. Et c'est aussi un lieu d'affrontement des grandes puissances. Toutes les grandes puissances impériales de l'époque se sont affrontées sur cet immense champ de bataille qu'est le croissant fertile. Parce que c'est une terre fertile, c'est une terre d'abondance, c'est une terre agricole, et les empires tiennent par leur agriculture. Donc déjà à l'époque, on pouvait voir, déjà il y a plusieurs milliers d'années, les Hittites au nord qui affrontaient les Égyptiens au sud, et le champ de bataille, c'était la Palestine, c'était la Syrie, c'était le Liban. Même chose ensuite entre l'Est et l'Ouest, les Byzantins contre les Perses, des siècles d'affrontements entre ces deux puissances, entre l'Est et l'Ouest. Donc le croissant fertile, c'est un lieu où vous trouvez des vestiges de l'époque sumérienne, de l'époque omeyyade, abbasside, byzantine, hellénistique, donc Alexandre le Grand, donc on est bien avant les Byzantins,
Vous avez des vestiges de l'Empire perse, sassanide. Vous avez tout, en fait. C'est ça, en fait. Donc, et évidemment que vous avez plein de petits peuples différents, mais ils ont tous en passé, en commun, pardon, ce même passé. Donc, c'est une région qui est très riche, et c'est une région, en fait, qui a très vite vu, en fait, les conversions au christianisme. Pareil, quand l'islam arrive, ça fait déjà plusieurs siècles que les chrétiens vivent de monachisme, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le martyr blanc, le monachisme. Puisque, à l'époque, les chrétiens étaient persécutés par Rome. C'est 4 siècles, plus de 300 ans de persécution de la part de l'Empire romain qui ont eu raison de l'Empire romain. L'Empire romain se convertit suite à quasiment 400 ans de persécution. On faisait des chrétiens des lampes, des torches vivantes dans les rues de Rome pour éclairer les rues. On envoyait aux lions, on décapitait, on sciait, on envoyait les gens se faire massacrer dans les jeux, dans les arènes, etc. C'est ça la réalité des chrétiens. Donc, il y a eu une pensée qui disait aux chrétiens, quelque part, c'est le martyr qui nous donne le salut. Mais puisque l'Empire se convertit, donc celui qui fait de nous des martyrs, s'il est lui-même converti, comment allons-nous gagner les cieux? Donc il y a eu un autre martyr qui a commencé à se mettre en place, c'est le martyr blanc, c'est le monachisme. Donc ce sont des prêtres qui commencent à vivre d'ascèse, mais de manière très intense. Donc c'est ce qui a donné, mais également ce monachisme a eu lieu parce que, certes, l'Empire romain s'était converti, mais il était aussi un outil de persécution, c'est-à-dire qu'il persécutait ceux qui ne rentraient pas dans la définition de l'orthodoxie. C'est pour ça que ceux qui ne rentraient pas dans le concile de Chalcédoine ou d'Éphèse avant Chalcédoine, etc., ils étaient persécutés. D'ailleurs, en Égypte, les chrétiens avaient ouvert les portes aux musulmans parce que c'était Rome qui les persécutait. Donc il y a eu ces histoires aussi entre chrétiens, dans l'orthodoxie du christianisme et dans toutes les hétérodoxies, dans ces autres églises qui n'étaient pas reconnues par Constantinople. Donc, beaucoup de prêtres vivaient dans des parois montagneuses, dans des villages troglodytes, et ensuite, quand l'islam sort de l'Arabie avec les Arabes, ce sont eux qui vont se mettre à les persécuter. Donc, les chrétiens vont être décimés au Moyen-Orient. Donc, le mythe selon lequel l'islam arrive... Et c'est une ère de paix, d'amour et d'abondance. C'est une ânerie, c'est un mensonge historique. Les musulmans ont converti des territoires en 10 ans, en une décennie, ils ont converti ce que le christianisme a mis 4 siècles à occuper territorialement. Le christianisme, c'est par le martyr des chrétiens qu'il a gagné l'empire. L'islam, c'est en faisant de ceux d'en face des martyrs qu'ils ont étendu leur empire. C'est pas du tout la même chose. Ça, c'est une réalité historique, il faut en avoir conscience. Et donc, il y a énormément de couvents, de monastères, de prêtres, de moines qui ont été massacrés, mais ils n'ont pas pu supplanter tout le monde. Après, bon, c'est le conquérant, il montre qu'il est là, qu'il s'impose en force, et ensuite, comme ils ne peuvent pas massacrer tout le monde, ils ont aussi besoin de l'ingéniosité et du savoir-faire des chrétiens pour pouvoir tenir leur administration omeyyade. L'Empire omeyyade, le califat omeyyade est le premier califat, après les Rachidounes, et c'est le premier califat qui va se mettre en place. Et il va se mettre en place à Damas. Donc il est littéralement d'influence byzantine, puisque c'est l'Empire qui l'a précédé, et ils ont besoin d'administrateurs. Donc les chrétiens sont aussi épargnés dans ce sens, parce qu'on a besoin de leur savoir-faire pour tenir une administration. On ne sait pas ce que c'est qu'une administration de type impérial, quand on vient du désert, quand depuis plusieurs siècles, on a fait des guerres entre tribus et qu'on pratique la razzia et qu'on élève des chèvres et des chameaux. Et je ne dis pas ça de manière méprisante, je rappelle un fait sociétal et tribal. Donc l'administration, on a besoin des chrétiens et on a besoin d'eux aussi pour bâtir, parce que les chrétiens sont des bâtisseurs. J'en veux pour preuve la mosquée des Omeyyades, qui est une mosquée gigantesque qui a été bâtie en 10 ans, de 705 à 715, et qui se devait de représenter un empire qui allait de l'Andalousie espagnole jusqu'aux confins de la Chine, c'est-à-dire le Xinjiang actuel. Donc qui allait construire? Qui savait faire ça? C'était les chrétiens. Donc effectivement, les chrétiens n'ont pas été tous massacrés, parce qu'on en avait besoin et que de toute façon, c'était pas dans l'intérêt non plus des musulmans d'aller massacrer tout le monde. Mais il faut pas nous faire croire que parce que les chrétiens continuaient d'exister, que c'était parce que les musulmans avaient été forcément très tolérants. Ça, c'est une erreur. Donc, je suis désolé, je suis peut-être un peu long. Je vous en prie. Non, parce que ce qui m'intéresse, parce que vous avez voyagé beaucoup, en fait. Vous avez vu plusieurs pays musulmans. Quelles sont les lois auxquelles les chrétiens sont soumis dans les pays où la charia est appliquée? Comparé à ces pays, comment les chrétiens vivaient-ils en Syrie avant la guerre?
Donc la Syrie moderne telle qu'on l'entend, la Syrie, évidemment étymologiquement parlant, on la rattache à la Syrie, L apostrophe, à Syrie. Entre autres, il n'y a pas que ce peuple-là, il y a évidemment le peuple araméen qui sont un peu plus à l'ouest, qui occupent les terres un peu plus du Levant, alors que la Syrie, c'est d'origine un peu plus mésopotamienne, donc c'est l'Irak actuel, et avec son débordement, puisque c'était un empire. Je ne peux pas, comment dire, passer tous les empires en revue, mais en gros, après l'empire romain d'Orient, donc après l'empire byzantin, vous avez eu la défaite d'Héraclius, pardon, vous avez eu la défaite d'Héraclès en 637 au sud du fleuve Yarmouk, donc dans la Syrie actuelle. Les Mahométans, les troupes arabo-musulmanes, ont conquis donc la Syrie, donc en 639, c'était déjà une terre islamique. Ils prennent ensuite Bagdad et ils rentrent en Perse en 642. Ils prennent déjà la première ville qui s'appelle Narawan, donc en Iran. Cette région est conquise et ensuite on a un califat omeyyade de 661 à 715 à 750. Et le califat omeyyade, dont la capitale est Damas, passe à la famille des Abbassides en 750 jusqu'en 1258. Donc le califat omeyyade aux Abbassides de 700, y a, excusez-moi. De 661 à 750, c'est le califat omeyyade, et de 750 à 1258, c'est le califat abbasside, la capitale passant de Damas à Bagdad. Dans cette situation, les chrétiens sont en position de dhimmitude. C'est-à-dire que il n'est pas dit dans l'islam que tous ceux qui ne sont pas musulmans doivent mourir. Mais il est clair que la soumission à l'islam est imposée. On ne peut pas ne pas être soumis à l'islam. Donc les chrétiens, ils continuent d'exister. Ils ne sont pas, comment dire, anéantis, annihilés, réduits à population zéro. Mais il leur est, comment dire, ils sont quand même sous la contrainte du paiement de la taxe, de la jizya. C'est une terre d'islam désormais. Vous devez payer l'impôt. Si vous n'êtes pas musulman, vous devez payer l'impôt. Donc, il y a cette contrainte sociale, elle est réelle. Des musulmans peuvent prendre des femmes chrétiennes comme épouses. L'inverse est impossible. Je vais pas forcément énumérer toutes les vexations ou peut-être parfois même les humiliations qu'il peut y avoir de la part des musulmans envers les chrétiens, mais il est clair que les chrétiens, dans les califats successifs et jusqu'à l'Empire ottoman, la condition pour une ascension sociale, c'était la conversion à l'islam. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs en Europe de l'Est, enfin en tout cas j'en veux pour preuve les Albanais avec les méthodes janissaires. Toute conversion à l'islam permet une ascension sociale. Vous ne pouvez pas sortir de votre rang social inférieur si vous restez un non-musulman. Et puis donc la capitation, donc ce droit de capitation, cette taxe, la jizya, qui vous somme en fait de payer le tribut, en fait c'est un impôt qui est lourd. Donc on sait qu'à terme, des chrétiens se sont convertis à l'islam parce qu'ils étaient littéralement appauvris. Et il y a souvent en fait trois choix qui leur est proposé. Donc c'est la conversion à l'islam, ou le paiement de cette taxe, ou l'exil. D'accord? Il n'y a pas d'autre choix possible. Donc, même aujourd'hui, dans les États arabes, et qui ne sont pas forcément islamiques, vous verrez, hein, les chrétiens, ils ont souvent. Alors, il y a quelques exceptions quand même qui confirment les règles. Les chrétiens, ils n'ont jamais des ministères au gouvernement qui sont très importants. On leur donne la culture, voilà, des petits trucs sympas comme ça, mais on ne leur donne pas trop de pouvoir, on ne leur donne pas trop de place. Donc. Bon, quand les califats sont passés, comment dire, les Abbassides, la fin du califat abbasside en 1258, c'est Gengis Khan qui va complètement détruire Bagdad. Après cela, il y a une période de flottement, il y a 150 ans qui passent et vous avez l'arrivée de Tamerlan. Et c'est quelques décennies plus tard que les populations turques, en fait, qui arrivent depuis les steppes, qui sont converties par les Perses samanides, c'est-à-dire les Tadjiks actuels, le Tadjikistan actuel, les Samanides, qui sont en périphérie du califat abbasside et qui sont des iranophones, donc ce sont des Perses qui tiennent les marges de l'empire, les marges du califat, et qui convertissent les Turcs qui abandonnent le chamanisme pour embrasser l'islam. Et ça commence dès les Seldjouks. Bon, avant, hein, il y avait les Ghaznévides, etc. Mais les Seldjouks arrivent à Bagdad au milieu du califat abbasside et ils prennent le pouvoir sur les Arabes. Donc, ils vont littéralement, on va passer d'un pouvoir arabe perse parce qu'il y avait eu les Bouïds juste avant, et ensuite, ce sont les Turcs Seldjoukides. Mais on est toujours au sein du califat abbasside. Donc, il faut attendre l'arrivée des Mongols pour que tout ça se soit terminé. Mais depuis cette époque, depuis l'an 1000, et c'est ce qui avait déclenché les croisades, vous avez des successions de vagues turques qui arrivent d'Asie centrale. Vient ensuite l'Empire ottoman en 1453, en tout cas, c'est là qu'il est officiellement instauré, puisque c'est la prise de Constantinople à cette date. Et les Perses, de leur côté, en réaction à cela, vont
vont convertir l'empire safavide à la religion chiite. Donc c'est les Perses chiites safavides face aux Ottomans, aux Turcs ottomans sunnites qui eux se sont autoproclamés donc à cette époque-là en 1453. Donc les chrétiens dans toute cette période-là et comme les minorités de l'islam, les chiites, les alaouites, les druzes, les ismaéliens, etc. Ils n'ont pas véritablement droit au chapitre. Je ne dis pas que les Ottomans, pendant 500 ans de règne, vont les massacrer. Je dis juste qu'ils sont en position d'infériorité. Ils n'ont pas comment dire, de revendications politiques possibles. Et ils sont toujours en marge sur le plan, donc pas seulement politique, mais également économique. Voilà. Donc, quand la Syrie naît de la fin du califat, alors je suis désolé parce que si on s'étale sur chacune de ces périodes, on y est jusqu'à la semaine prochaine. Moi, ça ne me dérange pas, mais c'est pas le but de l'émission. Mais je tiens à rassurer les auditeurs, parce que évidemment, comme on va vite sur certaines périodes, qui ne se sentent pas, comment dire, enfin, qu'on considère pas que je bâcle l'histoire. C'est juste qu'en fait, on peut pas s'attarder sur toutes ces périodes. Quand l'Empire ottoman est chute, que le califat ottoman, que le califat est aboli en 1924, officiellement. Vous avez des États arabes qui naissent de ces décombres de l'Empire ottoman. Et comme ce sont les vainqueurs qui décident des vaincus, bah ce sont les Anglais et les Français, suite à la Première Guerre mondiale, et puisque les Ottomans étaient dans le camp de l'ennemi, donc l'ennemi austro-hongrois, germanique, et même bulgare, eh bien, ce sont les Français et les Anglais qui vont décider du sort du Moyen-Orient. Donc je sais que souvent, les Arabes sont pas contents, la colonisation, etc., le partage de façon assez irréfléchie, en fait, la façon dont les accords Sykes-Picot ont tracé les frontières en ne tenant pas compte des ethnies, des religions, etc. Bon, en tout cas, c'est comme ça que les vainqueurs ont décidé du sort des vaincus, et c'est comme ça que l'histoire a été faite. Et de cela, en fait, eh bien, comment dire, des mandats et des protectorats ont eu lieu. La France a exercé un mandat sur la Syrie de 1920 à 1946. Et dès 1920 jusqu'à 1926, ils ont arraché la façade littorale de la Syrie pour l'appeler comment dire, la région autonome du Liban, la province autonome du Grand Liban. Voilà. Donc, de 1920 à 1926, la province autonome du Grand Liban est déjà détachée administrativement, pardon, de la Syrie. Et donc en 1943, on va donner l'indépendance au Liban, et en 1946, on va donner l'indépendance également à la Syrie. Donc la fin du mandat français sur toute cette région-là, c'est 1946. De 1946 à 1970, pendant 24 ans, vous avez plus d'une vingtaine de coups d'État. Chaque année, vous aviez à peu près un coup d'État à Damas. Et les Syriens me disaient avec ironie, c'est pas compliqué, dès qu'un navire de guerre américain arrivait à Beyrouth, vous aviez un coup d'État à Damas. Donc il y avait une véritable instabilité, une instabilité politique, une instabilité économique, une instabilité démographique, une instabilité à tous les niveaux. C'est là que Hafez al-Assad arrive à la tête du parti Baas en 1970 donc, et qui va incarner une stabilité politique, économique pendant 30 ans. Il arrive à la tête du Parti Baas, mais le Parti Baas a lui été créé en 1947. Il est arrivé au pouvoir, ce Parti Baas, en 1963. Mais Hafez al-Assad arrivera lui au pouvoir de ce Parti Baas, et donc de la Syrie, en 1970. Et de 1970 à 2000, c'est à marche forcée que la Syrie avance vers la laïcité. Parce qu'il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se leurrer. L'esprit de clan, l'esprit confessionnel, l'esprit marqué par les identitarismes religieux a toujours existé. On parle de notion ethno-confessionnelle. Une ethnie, une religion. Quand on est de telle religion, en fait, on est de telle ethnie généralement. Alors bien sûr, il y a évidemment une ethnie ou des origines communes à tous ces peuples, bien qu'ils aient emprunté telle ou telle voie pour arriver à telle ou telle religion. Mais en fait, cette laïcité, parce que souvent on nous parle de vivre ensemble, et c'est très intéressant, parce que tous les gens qui regardent aujourd'hui la guerre en Syrie, en Irak, ils vous disent, mais avant, on vivait ensemble comme des frères, les chiites, les sunnites, les chrétiens, etc. C'est pas faux, mais c'est pas vrai non plus. C'est pas parce qu'on est gentil qu'on vivait bien ensemble. Et ce vivre ensemble,
On ne peut pas dire que c'était de la convivialité non plus. C'est de la cohabitation. Qu'on m'explique pourquoi on dit cette région-là, elle est alaouite. Cette région-là, elle est chiite. Cette région-là, elle est sunnite. Regardez l'Irak. Tout l'ouest irakien, il est chiite. L'est irakien, l'est, pardon, adossé à l'Iran. C'est une région chiite. Le reste est une région sunnite. Mais au nord, c'est une région kurde. Alors que le sud-ouest est arabe sunnite. S'il y a un vivre ensemble, pourquoi les sunnites, les kurdes, les chiites, les arabes, ils ne vivent pas ensemble de manière imbriquée, de manière disparate, de manière éparpillée? Pourquoi il y a des régions qui sont formellement chiites, d'autres sunnites, d'autres kurdes et pas arabes? Pourquoi est-ce que quand on est à Beyrouth et qu'on voit les bombardements israéliens, on dit ce sont des quartiers chiites qui sont bombardés, derrière, Shia, par exemple? Mais pourquoi il y a des quartiers chiites et il y a des quartiers chrétiens à Ashrafieh, Jaitaouia, Ashrafieh, vous allez à Jemeizeh ou vous allez dans certaines autres villes? Pourquoi est-ce que quand vous regardez le Liban, vous avez les chiites au sud, les sunnites au nord et les chrétiens au milieu? Pourquoi les sunnites et les chiites ne sont pas des régions accolées? Parce qu'on sait très bien qu'à chaque fois qu'ils sont collés, ils se tapent dessus. Mais c'est pas depuis la création de l'État d'Israël qu'ils se tapent dessus, les sunnites et les chiites. Ils se tapent dessus depuis la mort du prophète, depuis la naissance de l'islam. Et la mort du prophète Mohammed, il y a ceux qui ont suivi un système d'élection pour le califat, et il y a ceux qui ont choisi l'imama, les chiites al-Ali, c'est ça que ça veut dire, les partisans de Ali, ça a donné les chiites. Et ensuite, il y a toute une doctrine théologique qui s'est greffée sur cette dissension politique. Alors quand les gens me disent, non mais avant quoi? À quel moment ces gens-là, ils ont vécu ensemble, en pleine harmonie? En fait, il y a une vision rousseauiste du monde où tout le monde il est mignon, tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, mais qui ne colle pas avec la réalité. C'est pas vrai. Et en fait, c'est terrible parce que en Occident, on nous impose ce vivre ensemble en disant, mais il marchait là-bas avant que les Américains et Israël ne viennent mettre le bazar. Alors, ce vivre ensemble, il peut très bien marcher en Europe, en France. Accueillons plein d'immigrés. Mais en fait, moi j'ai rien contre la charité, j'ai rien contre l'amour du prochain, j'ai rien contre le fait d'être hospitalier. Mais en fait, il faut quand même garder à l'esprit que cette cohabitation, en vérité, elle s'est faite dans le sang, qu'il y a des laissés pour compte, il y a des injustices, il y a des discriminations, il y a des violences, elles sont sanglantes, et que le vivre ensemble, il a marché parce qu'il y avait un État fort. Il y avait Saddam Hussein en Irak, il y avait Hafez al-Assad en Syrie, et ça, par exemple, ce sont des exemples de chefs d'État qui ont maté à coups de trique les populations. Et c'est pour ça que ces gens-là vivaient ensemble, en fait. Hafez al-Assad, à son époque, si vous demandiez à votre voisin de quelle religion il était, de quelle confession il était, on vous mettait un sac sur la tête et vous disparaissiez. Vous ne revoyez jamais la lumière du jour. Quand il y a eu la guerre qui a commencé en 2011 en Syrie, et qu'on ne savait plus si c'était une insurrection légitime ou si elle virait vers le djihadisme, les étudiants entre eux dans les universités commençaient à se dévoiler. Ils commençaient à accuser les uns des autres en disant « Mais c'est vous, les sunnites, vous êtes ceci. » Et l'autre disait cela. Et l'autre disait « Et nous, les alaouites, on souffre parce qu'on est les premiers persécutés par cet islamisme. » Et il y a des gens qui disaient « Mais on découvrait qui était sunnite, qui était chiite, qui était alaouite, qui était chrétien. On ne le savait pas. On ne savait pas ça. Dans nos écoles, personne ne connaissait la religion des autres. » Donc en fait, pour revenir un petit peu à l'insurrection syrienne, c'était des Syriens en général, c'est pas une histoire de religion. Les Syriens, de toute confession, de toute origine sociale, de toutes les ethnies, sont sortis dans la rue pour protester contre le pouvoir en place. Il y a une légitimité à discuter, en fait, la légitimité de ce qu'on considère comme un régime autoritaire, de ce qu'on considère comme un régime dictatorial. Il y a des aspirations démocratiques et en fait, on a envie d'en terminer, en fait. On a envie d'être comme ces autres pays qu'on voit depuis nos écrans de télévision, et on a envie d'embrasser la modernité et d'en finir avec le paternalisme politique incarné par la dynastie Assad. Hafez pendant 30 ans et à l'époque, depuis déjà plus de 10 ans, avec Bachar al-Assad. Donc, très rapidement, il y a une répression. Les manifestants sont réprimés, mais de manière féroce. Hein, l'armée syrienne a la main lourde. Et le conflit va commencer à se confessionniser à partir de ce moment-là. C'est-à-dire, moi, dans les témoignages que j'ai reçus, j'avais rencontré une famille syrienne qui avait fui Raqqa,
je les avais rencontrés en Turquie. Je l'avais rencontré en Turquie, dans le Tour Abdin. Et il me disait, au début, nous aussi, les chrétiens, on manifestait contre Bachar al-Assad. Il n'y avait pas que les sunnites. Mais petit à petit, les sunnites ont commencé à nous dire, vous, les chrétiens, restez en dehors de ça. C'est une guerre entre nous et Assad. C'est nous, les sunnites, contre les alaouites. Le pouvoir alaouite, illégitime, qui n'a pas de légitimité, donc, à incarner la nation arabe. Donc, c'est notre heure. On est discriminé plus que n'importe qui dans le pays, puisque, en fait, comme les sunnites sont la majorité du pays sur le plan démographique, au moins 60%, et qu'il y avait des inégalités sociales, inévitablement, les sunnites étaient, en termes de nombre, ceux qui étaient le plus victimes d'inégalités sociales. Mais ils n'étaient pas proportionnellement plus discriminés que les autres, mais en nombre, ils l'étaient, puisqu'ils étaient de toute façon la majorité. Donc, ils ont pris cette discrimination de manière très personnelle, et il est évident que les alaouites, dans leur prise de pouvoir et dans leur manière de régner, avaient tenu à l'écart les sunnites qui représentaient pour eux un danger. Et en réalité, la guerre n'a pas commencé en 2011, elle avait déjà commencé dans les années 70, puisque les frères musulmans qui sont nés en Égypte au début du XXe siècle, qui sont arrivés à Alep, au nord de la Syrie, dans les années 30, vers 1935, ils ont commencé à essaimer, à diffuser la haine de tout ce qui n'est pas sunnite. Et donc, déjà en 1978, 17, 18, par là, ils ont commencé des manifestations de grande ampleur et à faire verser le sang. Donc, Hama s'en souvient, la ville de Hama, qui est la troisième ville, la quatrième ville de Syrie, après Damas, Alep, Homs, donc la ville de Hama, où ils avaient, les frères musulmans, décapité 83 hauts gradés de l'armée syrienne. Ils les avaient décapités. Donc, ils ont arraché leur tête. Et là-dessus, Hafez al-Assad, à l'époque, avait réprimé sévèrement la ville de Hama. Ils ont tué peut-être 2-3 000 personnes pour 200 djihadistes. Donc, ça s'est réglé dans un bain de sang. Et en fait, le conflit avec les frères musulmans a commencé à cette époque. Il n'a jamais été tué, en fait. Les frères musulmans sont toujours restés là, en sommeil, dans l'arrière-pays, dans les campagnes, dans les banlieues, dans les zones rurales, dans les zones où l'État n'a pas de contrôle, dans les zones tribales, dans les zones où, en fait, l'État ne peut pas, ne peut pas influencer sur l'éducation. Il n'y a pas de contrôle véritablement étatique. Donc, quand, en 2011, ces manifestations arrivent, c'est le retour des frères musulmans. Ils vont littéralement, et pas seulement eux, ils vont littéralement phagocyter la révolution et la faire tourner sur le plan confessionnel. Mais ça arrange aussi le pouvoir en place. Le régime autoritaire de Bachar al-Assad, mais pas seulement, c'est pas tant lui en tant que personne, mais l'État profond, donc les hommes qui sont là, eux, depuis des décennies, qui gouvernent avec lui. Pendant des décennies, ils ont donné une légitimité au régime autoritaire en disant « si nous tombons, si nous disparaissons, c'est le retour en force de l'islamisme. Vous voulez l'islamisme ?» Donc, acceptez l'autorité en place et ne la discutez pas. En gros, c'est un peu le discours. Donc, Assad, la Syrie gouvernementale, avait elle aussi un intérêt à ce qu'en face, ça bascule dans le fondamentalisme. Parce que c'était leur légitimité à eux de rester au pouvoir. Donc, les torts sont partagés. Mais très rapidement, donc ces sunnites qui disaient aux chrétiens, vous, restez en dehors de ça, restez en dehors des manifestations. Maintenant, c'est le moment de prendre des armes. Vous, les chrétiens, gardez vos petites pancartes, Bachar al-Assad dehors, on veut la démocratie, mais la guerre, c'est pour nous. Et en fait, ces Syriens qui ont commencé en fait à mener une lutte armée contre le pouvoir en place ont été littéralement écrasés par l'armée syrienne. Et pour inverser le rapport de force, ils ont ouvert les portes à des djihadistes venus d'ailleurs. Donc, il y a quand même l'Irak qui est en proie à la guerre civile depuis 2003, qui dès 2003, avec Moussa Zarqawi, qui est le successeur de Oussama Ben Laden, qui avait instrumentalisé l'insurrection irakienne contre les Américains en les ramenant vers le djihadisme, donc islamiste. Donc, c'est ça, hein, c'est le salafisme djihadiste. C'est ça, l'Al-Qaïda. Et ensuite, Daesh. On pourrait y revenir après. Mais vous avez en fait évidemment des Irakiens qui viennent combattre en Syrie, mais vous avez également Al-Qaïda et les islamistes qui arrivent d'Afghanistan. Vous en avez qui arrivent d'Asie centrale, de Turquie, de l'Europe, du monde européen, de nos banlieues, de nos grandes villes, Lyon, Paris et Bruxelles, et de Londres et d'ailleurs,
de l'Allemagne également. Donc, très rapidement, en fait, pour inverser le rapport de force, ces sunnites sur le chemin de l'islamisation, qui sont déjà musulmans, mais qui sont en train de devenir islamistes, ouvrent les portes à leurs frères islamistes pour être plus forts que l'armée syrienne. Et c'est là, en fait, que les mentalités vont changer. C'est-à-dire que le musulman sunnite qui a toujours vécu avec le chrétien, qui l'aime comme un frère, et ça, je n'ai aucun doute sur le fait que les musulmans et les chrétiens ont pu même s'aimer comme des frères. Ils allaient peut-être dans les mêmes écoles publiques, ils buvaient le thé de temps en temps, ils étaient voisins, ils s'échangeaient des fruits et des légumes, et ils coupaient le mouton et ils mangeaient le mouton ensemble, il n'y a pas de problème. Sauf que quand le sunnite, le musulman sunnite, a ramené les cousins, les frères qui viennent d'ailleurs, bah ces islamistes qui ont fait 4000 kilomètres à pied, qui sont passés, qui ont traversé des continents, ils n'ont pas fait le djihad pour être copains avec des impies, pour être copains avec le chrétien d'à côté. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que le musulman syrien qui a ouvert les portes à des musulmans d'ailleurs, eh ben, il a changé de visage. Il a dû montrer à ses frères qui sont venus faire le djihad ben, qu'il était digne d'être respecté et de faire le djihad à ses côtés. Donc, ils ont commencé à persécuter les chrétiens desquels ils se revendiquaient une fraternité. Ils ont montré un autre visage. C'est ça qui est terrible. Les chrétiens ne reconnaissaient plus les Syriens. Ils disaient, mais à la sortie de la mosquée du vendredi, à l'appel à la prière du vendredi, ils sortaient des mosquées, on ne reconnaissait plus nos voisins. Nos grands-pères avaient grandi avec leurs grands-pères. Et on les voyait, les yeux noirs, injectés de sang, appelés au meurtre des chrétiens. Ils disaient, l'Alaoui dans le Tabout, ou l'Masihi à Beyrouth. Ça voulait dire, les Alaouites au tombeau, et les chrétiens à Beyrouth. Pour dire, exilez-vous, partez. Partez, allez dans ce pays qui s'appelle le Liban et qui a été une terre coloniale créée pour les chrétiens. Foutez le camp, partez à Beyrouth. Et ensuite, la semaine d'après, toujours après la mosquée la prière du vendredi, c'était élargissez les tombeaux des Alaouites pour qu'on y jette aussi les chrétiens. Comment vous voulez que les Druzes, les Ismaéliens, les Alaouites, les chiites, les chrétiens et toutes les millions, comment vous voulez qu'ils n'aient pas en masse rejoint le gouvernement? Puisqu'en fait, au final, le danger de cette révolution, c'est que les frères musulmans et tous les djihadistes, ils étaient mieux préparés en fait à ça. Ils étaient mieux préparés à cette révolution. Ils avaient un plan de rechange. Ils avaient un gouvernement déjà pensé. C'est pas comme les Américains, ils arrivent, ils cassent l'Irak en deux, ils massacrent tout le monde, ils pendent Saddam Hussein, et puis il n'y a pas de plan B en fait. Les frères musulmans, eux, ils étaient déjà dans l'optique. Et en plus, les frères musulmans, ce sont des gens qui islamisent des appareils d'État. C'est ça la définition de l'islamisme, c'est l'islamisation du politique. Donc ils ont déjà en fait toute une conception politique déjà placable en cas de chute d'un État. Donc ils sont déjà préparés en fait. Donc voilà, en fait la guerre civile a commencé de cette façon-là. C'est la manière dont, par exemple si vous prenez le cas des Druzes, les Druzes, notamment de Souaïda, mais vous avez aussi des Druzes dans la région d'Idlib, ils étaient les premiers farouchement anti-Assad. C'était les premiers à être anti-gouvernement. Ils étaient les premiers à vouloir le gouvernement tomber. Mais quand ils ont vu les djihadistes arriver, ils ont compris qu'ils seraient les premiers à être exécutés. Donc ils ont tout de suite changé de discours. Ils ont retourné leur veste et sont retournés du côté du gouvernement syrien. C'est comme ça, en fait, que beaucoup de révolutionnaires chrétiens, mais même des musulmans, sunnites, chiites, ce que vous voulez, ils disent « on regrette, on en veut énormément aux islamistes ». Parce qu'ils nous ont contraints à rejoindre le gouvernement syrien, contre lequel on protestait aux premières heures de la révolution. Ils nous ont contraints à choisir Assad comme protecteur, comme notre protecteur, alors qu'au début, on voulait le combattre. Mais on voulait le combattre sur le champ démocratique, pas sur les sentiers d'Allah et les sentiers du djihad. Alors, j'ai pas eu beaucoup de questions, parce que c'est tellement riche, votre intervention, que... je crois qu'on sera obligé de faire une deuxième partie de cette émission. C'est pour ça que je vais inviter les téléspectateurs à nous rejoindre la semaine prochaine et à participer à cette deuxième partie. On va discuter de cette Syrie pendant la guerre et comment est-ce que vous avez vécu pendant cette période-là comme bénévole dans les chrétiens SOS Chrétiens d'Orient. Voilà. Merci beaucoup. Drage gledavke in gledavci, na tem mestu bomo za danes končali.
Več o krščanstvu v Siriji bomo povedali v naslednjem delu oddaje Za skupno dobro. Obilico Božjega blagoslova vam želim in nasvidenje.